Bonjour Maxence. Bonjour Reynald. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le Mais troisième merci que à je vous, vais c'est un faire, plaisir. vous êtes le troisième que je vais interviewer. Donc pour mes C'est un auditeurs, honneur. je vous présente Maxence Alves, qui est voyant, médium. C'est la jeune génération montante. Les anciens comme moi, ben voilà, il y a du nouveau qui arrive. Je dis toujours que la médiumnité, la voyance, les guérisseurs, ça fait partie des plus vieux métiers du monde. Voilà. Hormis la prostitution. Mais on est tous, voilà, ça date de millénaires. Voilà. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et on continue, on continue, on continue. Avec une évolution des fois très bien, puis des fois une évolution où ça replonge dans le domaine paranormal, excentrique et tout. Et c'est ce qui fait du mal, souvent dans notre domaine. Donc, Maxence, je vais vous poser des questions et vous allez me Et je vais répondre. répondre le plus sincèrement possible. Sincère, ça va l'être, mais vous allez me répondre avec votre regard aujourd'hui sur cette activité. Alors, je vais vous poser la première Il y a des choses à question. dire. La première question qu'on va vous poser certainement tout le temps, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ben écoutez, ça a commencé depuis le début, puisque je suis né avec cette capacité développée. Donc, je n'ai pas le souvenir d'une manifestation première en particulier, puisque j'ai grandi naturellement avec mes perceptions. Donc, ça a commencé très tôt, dès mon plus jeune âge, par des apparitions plus ou moins quotidiennes, voilà, de défunts, en sachant qu'au tout début, je ne pensais pas que c'était des défunts. J'avais ces visions tout naturellement, notamment le soir lorsque j'allais me coucher, puis après aussi parfois la journée. Mais je les voyais vraiment comme je vous vois vous. Donc, si vous voulez, au début, ça peut paraître un peu effrayant. Mais en grandissant, j'ai fini par m'y faire, on va dire. Voilà. Puis en plus, venant d'une famille de médiums, j'ai très vite eu autour de moi une compréhension, en tout cas, et un soutien pour m'aider à comprendre ce que je percevais, ce que je vivais. Donc, contrairement à beaucoup de médiums, je n'ai jamais eu de coupure de mes capacités. Il y a eu effectivement des vagues intermittentes de perceptions qui fluctuaient, voilà, à différents niveaux, mais je n'ai jamais eu de coupure. Alors, les perceptions ont évolué, d'abord les défunts. Puis en grandissant, plutôt les perceptions dites de voyance, donc de perception sur les personnes, sur leur être profond, sur ce qu'ils pouvaient vivre, ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils allaient, voilà, venir vivre en devenir. Voilà. C'est bien, c'est bien. Ça me donne un peu des frissons parce que c'est ce que j'ai un peu vécu moi. Donc, ça me rappelle des choses importantes. Après, je voulais savoir si, avant dans votre entourage, vous avez vécu ça comment, hormis le milieu familial, les copains, les copines, enfin l'entourage. Alors, hormis le milieu familial, la chose qui m'a, je pense, le plus aidé, ça a été dans les premières années, je ne vivais pas ça, on va dire, en dehors de la maison. Vraiment, c'est vraiment quand j'étais dans la maison, seul, souvent d'ailleurs, que j'avais ces perceptions-là. Les perceptions, on va dire, à l'extérieur ont commencé à arriver plus en arrivant vers l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, où j'ai commencé effectivement à avoir des perceptions, la quotidienne. En plein cours, voilà, quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège, les manifestations se sont intensifiées à ce moment-là. Alors, toujours les personnes décédées, mais surtout les perceptions de voyance étaient de plus en plus présentes et même étouffantes, puisque je ne maîtrisais pas du tout cette faculté, ce qui m'a amené d'ailleurs à avoir quelques petits soucis de santé, puisque à ce moment-là, j'étais vraiment une vraie éponge à information, puisque je ne verbalisais pas ce que je percevais, ce que je ressentais spécifiquement, et donc j'ai vraiment, on va dire, absorbé beaucoup à. J'ai somatisé, on va dire, voilà, j'ai somatisé tout ce que je ressentais, et donc il m'a fallu un peu de temps avant d'avoir l'audace de pouvoir exprimer ce que je ressentais et de pouvoir mieux gérer aussi cet afflux de perception. Jusqu'à là, Mais tout est normal. l'entourage, voilà, jusque-là, tout est normal. Après, voilà, en grandissant, plus j'arrivais, voilà, les années du collège passé, etc., je commençais à dire ce que je ressentais. Les camarades, avaient connaissance de mes ressentis, de cette un peu, cette bizarrerie, comme certains pouvaient le dire. Mais ça a interloqué certains, ça a intrigué, mais ça pouvait aussi déranger. Mais je n'ai pas vécu spécialement mal la capacité de voyance, puisque justement, je le prenais un petit peu comme un jeu après. Voilà, au début, c'était un peu difficile, mais après, je le prenais un petit peu comme un jeu. On m'interrogeait souvent sur quand est-ce qu'on allait avoir tel contrôle, sur quoi on allait être interrogé, sur quoi on allait. Donc, c'était un petit peu amusant. Même parfois, les profs me demandaient des petites choses. Donc, c'était assez particulier. Donc, j'ai bien vécu avec j'ai mieux vécu la voyance quand même que les perceptions de défunts plus jeunes. Voilà, c'était vraiment plus marquant. Voilà. Oui, parce que moi, tous les médiums que j'ai rencontrés, beaucoup ont eu des enfances malheureuses, terribles, terrifiantes et tout, alors que non, c'est tout à fait logique, quoi.
Donc, vous l'avez bien vécu. Je l'ai bien vécu. Après, on a tous un chemin de vie, c'est sûr, qui nous forge. Après, je ne sais pas. Alors, souvent, on dit que c'est le chemin de vie qui amène le développement de ses facultés. Peut-être, j'ai comme eu tout le monde mon lot de petites casseroles. Hein, on a tous nos petites casseroles. Mais après, étant né naturellement ainsi, je ne sais pas, je ne pourrais pas certifier en tout cas que c'est mon vécu qui a amené le développement de ses capacités et j'ai grandi naturellement avec. Et puis, je vous dis, c'est quelque chose qu'on pouvait aborder facilement à table. Donc, je ne l'ai pas vécu comme un poids, en tout cas, personnellement. D'accord. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça me fait plaisir, voilà. Alors, après, je voulais savoir, est-ce que vous avez, quand vous avez compris tout ça, est-ce que vous avez lu des livres, ce qu'on appelle des grands médiums, alors, style Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, est-ce que vous êtes imprégné de ça ou pas? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, on me demande souvent d'ailleurs si j'ai des livres à recommander, même les personnes qui viennent me voir me demandent si j'ai des livres qui pourraient les aider. Alors, je n'ai pas vraiment de livres que je pourrais conseiller puisque je n'en ai pas lu. J'ai lu les classiques, le livre des médiums d'Alain Kardec, mais je ne m'y suis pas vraiment reconnu non plus parce que je n'abordais pas la médiumnité. C'est quand même très, très. Pour moi, c'était un peu sombre, si vous voulez. Je n'ai jamais vécu la médiumnité comme étant sombre. On peut dire que c'est un peu sectaire, pour moi. On pourrait dire le mot sectaire, effectivement, puisque il y a le côté cercle, doctrine derrière qui me dérange un petit peu. Mais après, ça vient de mon point de vue personnel. Hein. Je respecte ceux qui évoluent et qui cheminent sur cette voie. Super. Mais en tout cas, c'est vrai que je n'ai jamais lu, je n'ai jamais trouvé de compréhension dans les livres. Moi, ça a toujours été les rencontres de personnes, puisque la vie a toujours mis naturellement sur mon chemin les bonnes rencontres au bon moment. Donc, dans un premier temps, effectivement, cette initiation entre guillemets familiale et après différentes personnes que j'ai pu rencontrer sur ma route qui m'ont apporté des éclairages pour aider à mieux comprendre ma médiumnité, comment l'aborder, comment on va dire canaliser voilà, avec ma propre essence. Donc, c'est vrai que je ne me suis jamais appris vraiment de livres extérieurs, d'expérience extérieure en tout cas. Je peux vous demander votre âge? Vous avez le droit à une question joker dans tout mon questionnaire. D'accord, c'est bon à savoir. Je pense que ça va très bien se passer. Non, je peux dire mon âge, il n'y a pas de souci. J'ai 21 ans, je vais sur 22 ans, là, d'ici très peu de temps. C'est beau, c'est bien. Donc, vous n'êtes pas laissé imprégner par tout ce qu'on peut lire. Ça, c'est très bien. Du tout, bien au contraire. D'ailleurs, ça a été un des premiers messages que j'ai eu dans mon enseignement. Ça a été de me laisser porter par le courant, de ne pas vivre justement dans les pas extérieurs, de prendre connaissance de ce qui existe, mais de ne jamais m'en imprégner totalement et de découvrir par moi-même. Et c'est vrai que les livres, très tôt, j'ai des livres à la maison, mais je ne les ai jamais quasiment ouverts. On m'en a offert beaucoup aussi, mais je n'arrive jamais à les ouvrir. C'est très particulier. Maintenant, on va passer aux questions techniques. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'incorporation. Ou si vous avez refusé. Moi, ça m'est arrivé, mais j'ai refusé après que ça arrive. J'ai refusé. Donc, est-ce que c'est un phénomène qui vous est arrivé ou ce que vous en pensez? Alors, pour ma part, ça m'est arrivé, je dirais, au moins à une reprise où j'ai vécu une incorporation par rapport à la voix. Je ne sais pas si on peut dire que tout le corps s'est laissé imprégner, en tout cas, de cette présence en question, mais j'ai vécu vraiment l'incorporation par la voix. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment troublé et perturbé. Je dirais que j'ai refusé, j'ai bloqué. Je l'ai vécu de façon très intrusive, parce que moi, mon corps, c'est mon corps. Je ne veux pas que de choses extérieures puissent le traverser. Je ne trouve pas ça juste. Et que ce soit le bras, que ce soit la voix, je refuse catégoriquement, en tout cas, tout contact par incorporation. Puisque, ayant de toute façon la clairvoyance et la clairaudience, j'estime ne pas avoir besoin d'incorporer. Voilà. Que c'est suffisant, oui. On a des points quand même, j'ai subi l'incorporation par la voix pendant 15 minutes. Ah oui, ça n'a pas duré jusque-là quand même, heureusement. Mais je ne me suis pas rendu compte, hein. C'est des gens autour de moi qui se sont rendus compte. J'ai refusé. Harold, non, ce n'est pas l'heure, Harold, c'est pas l'heure. Alors, vous savez que dans notre domaine, il y a plein de termes, ça évolue d'année en année, de siècle en siècle. Le terme Chanel, pour vous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes un Chanel? Alors, j'en pense quoi? Alors, moi déjà, à la base, il faut savoir que j'ai commencé à me mettre l'étiquette de médium le jour où je me suis installé professionnellement. Parce que dans ma famille, étant issu d'une famille de médiums, on ne se dit pas médium. Mes ancêtres, on a réussi à remonter sur beaucoup de générations de personnes qui pratiquaient la médiumnité, qu'elle soit guérissante, qu'elle soit clairvoyante, qu'elle soit spirite, 5-6 générations quand même au moins.
Et donc, ils n'ont jamais employé ce terme-là. Ils faisaient ce qu'ils ressentaient. Ils avaient un message, ils le transmettaient. Ils avaient un ressenti, ils le donnaient. Ils avaient une perception de douleur. Ils posaient la main et la douleur s'apaisait. Mais ils n'allaient jamais, en tout cas, se targuer une étiquette. Ce sont les gens qui ont attribué des titres, souvent à tort ou à travers d'ailleurs. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut bien se définir quand on s'installe. Donc, c'est vrai que moi, j'ai posé le mot de médium qui définit, je pense, au mieux cette faculté. Il m'est arrivé, effectivement, qu'on me mette l'étiquette aussi de Chanel parce que, justement, je n'exerçais pas précisément la médiumnité dite spirit, bien que ce soit une de mes capacités, je ne l'exerçais pas professionnellement. Donc, on me dit, comme tu communies des enseignements, des guidances, des machins, on te met Chanel. Donc, c'est vrai qu'on peut retrouver des fois ce qu'on m'a attribué, ce mais ce n'est pas le mot dans lequel je me retrouve, en tout cas personnellement. Je suis d'accord. Et don ou faculté. C'est un terme anglophone de toute façon. Après, si on remonte vraiment l'origine du mot, on retrouve encore une fois certaines dérives. Donc, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les termes actuels parce que, moi, j'aime bien fouiller. Donc, quand il y a des choses qui sortent, en général, je vais essayer de trouver l'origine du terme, l'origine du mot. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'accroche pas. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler. Don ou faculté. Don ou faculté. Alors, moi, je dirais que c'est un potentiel qu'on développe ou pas, qu'on a tous la possibilité peut-être de le développer, mais il ne se développera pas de la même manière chez chacun. Je pense qu'on a tous la possibilité de recevoir des messages, mais ça va s'exprimer différemment. Ce n'est pas parce qu'on va pouvoir canaliser des informations qu'on va justement canaliser le plan des défunts, qu'on va canaliser justement des informations de voyance ou de soins. Voilà, les gens souvent assimilent la médiumnité directement à ces pratiques-là, mais on reçoit tous des informations par rapport à ce qu'on est amené à faire dans notre vie. Donc, si on n'est pas dans notre prochaine incarnation amené à faire de la médiumnité au sens d'accompagner les personnes, on ne va pas la développer dans ce sens-là. Mais on aura quand même la possibilité de développer des perceptions, des ressentis. Cependant, pour moi, une fois, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le don, c'est ce qu'on en fait. Moi, ils ne m'ont jamais dit « tu as un don ». Ils m'ont toujours dit « le don, c'est ce que tu en fais ». C'est au moment où quand tu le mets au service des autres, que ça en devient un don. Voilà. Et je n'emploie pas le mot « don », en tout cas, je ne me sens pas avoir une grâce innée. Beaucoup d'autres personnes la développent, de plus en plus de personnes d'ailleurs se mettent sur ce chemin de développement. Mais en tout cas, moi, je ne parle pas de grâce innée. Voilà. Je pense que j'ai eu la chance, en tout cas, d'être entouré aussi d'un environnement qui m'a permis de prendre confiance en ce potentiel, de pouvoir le développer. Et je pense aussi, en tout cas, et c'est mon point de vue, que ça fait partie de mon projet d'incarnation. Pour pas dire mission d'âme, parce que j'aime pas ce genre de termes encore qui reviennent à des missions, des machins. Je me sens pas en tout cas missionné par une quelconque puissance. Voilà. C'est bien. Je ne m'attendais pas à ces réponses, mais c'est bien. Ça m'émeut. Non, mais c'est clair. Ben. Bon, après, je vais vous poser la question. Alors, ça peut être la question joker, si vous voulez. Je voudrais que vous me parliez du guide spirituel, le pote qu'on a là-haut. Là. Dites-moi. Le fameux, ouais, le fameux, le bavard. Ouais. Non, alors oui. Alors, le guide, j'ai une approche un peu particulière du guide. Donc, c'est vrai que pour moi, le guide, je ne le perçois pas comme une entité extérieure à qui je suis. Alors, je m'exprime. Je pars du principe qu'on émane tous d'une source originelle, que vous l'appelez Dieu, l'univers, la vie, moi je m'en fiche, peu importe le terme, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Je respecte toutes les croyances, personne ne va s'énerver. Après, cette source originelle, pour moi, une fois j'ai eu une vision en fait, d'une espèce d'étoile de lumière qui implosait de l'intérieur et je voyais des espèces de milliards et de milliards de particules qui se répandaient dans l'univers et je voyais tout un univers se former. Et donc en fait, je pars du principe que nous sommes tous issus de cette source et que incarné dans la matière et que le guide finalement, moi je l'appelle plutôt la boussole intérieure dans le sens où c'est la partie la plus profonde de nous-mêmes, c'est une extension de notre propre conscience mais directement reliée à la source et qui nous guide et qui nous, mais c'est, pour moi c'est un peu un double de nous-mêmes mais c'est la partie la plus consciente de son origine. Alors, c'est un petit peu particulier ce que je dis mais c'est vraiment certains vont, voilà on peut dire que c'est vraiment le fil, le lien qui nous relie à l'origine, à la source. On peut le voir comme un fil, on peut le voir comme une énergie, on peut le voir, peu importe. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi, ce qui m'a toujours été dit, c'est que l'image qu'on projette, la forme qu'on lui donne, ça va vraiment être quelque part, c'est un peu pour se rassurer. Voilà, c'est un peu pour se rassurer, mais en soi, c'est intérieur. Moi, le dialogue, je le vis de l'intérieur. Même si je vais pouvoir entendre vraiment dans mes oreilles, ça va vraiment être de l'intérieur. Quelque chose qui émane de ma propre énergie, c'est quelque chose qui émane de ma source. Voilà. Ce n'est pas quelque chose
qui vient de l'extérieur, ce n'est pas des entités de qui viendraient de l'extérieur. Donc souvent, on parle du papa, de la maman qui pourrait guider la personne, etc. Je ne parlerai pas à ce moment-là de guide, mais comme ils le définissent eux-mêmes, plus d'esprit allié ou des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des défunts aussi qui m'accompagnent, mais ils ne se présentent pas comme des guides. Ils sont là, ils viennent de temps en temps, mais ils me donnent des enseignements en fonction de ce qu'ils ont connu, de ce qu'ils ont vécu, mais ce ne sont pas des personnes qui participent et qui orientent la consultation. Vraiment, la boussole intérieure, pour moi, elle part de l'intérieur et c'est elle qui s'exprime. Mais je pense qu'on a tous aussi le même guide. Alors là, c'est un peu particulier à saisir, mais de la même manière où on émane tous de la même source, eh bien là, c'est la même source qui nous guide au final. Voilà. Donc, n'en déplaise à certains, c'est ma vision. Je pense que c'est une vision différente, mais elle n'est pas moins juste. Voilà. Je suis d'accord avec votre vision. C'est parfait. J'ai fait une vidéo qui va sortir sur le guide. Et il y a longtemps qu'elle est faite. Je me suis dit, est-ce que je la sors ou est-ce que je ne la sors pas? Parce que je vais me faire ma... C'est particulier, ouais. Le guide, c'est particulier. Non, mais c'est... Voilà. En tout cas, ce n'est pas grand-mère. C'est un sujet particulier parce que j'ose pas toujours en parler parce que c'est vrai que souvent, je me fais un peu engueuler par les confrères et consoeurs qui proposent voilà, des prestations. Je communique avec vos guides personnels, les guides, les machins. Même moi, quand j'ai commencé la médiumnité, je ne savais pas, parce que on apprend tous les jours, hein, vous le savez bien. Oui. Et c'est vrai, je ne savais pas trop comment verbaliser les choses. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment conscience que toutes les images qu'on peut traduire au niveau de nos perceptions à partir de notre propre champ de croyance. Donc, le mieux, c'est pour ça que j'ai pris le parti de ne pas lire de livres, de ne pas m'imprégner de l'expérience des autres pour pouvoir essayer d'avoir une neutralité le plus possible dans la traduction des messages que je canalise. Parce que justement, au niveau du guide, j'ai bien conscience que voilà, ça part de l'intérieur et que ce n'est pas, en tout cas, comme vous dites, papy, mamie. Ils peuvent être là, mais ce n'est pas eux qui vont régir notre vie. Oui, moi je pense qu'ils sont intermédiaires entre là-haut et là. Oui, je pense aussi. Oui. On doit leur demander quelque chose, c'est pas eux qui que... c'est tout à fait. Je pense aussi parce que c'est vrai que moi, ça n'a pas toujours été permis que des défunts me donnent certains avis ou certains enseignements. Quand je dis ça n'a pas été permis, ça n'a pas été dans le sens d'une autorité extérieure, mais c'est que ma boussole intérieure n'a pas toujours laissé passer au niveau de mon champ énergétique, n'a pas toujours laissé rentrer certains messages parce que ça ne faisait pas partie de... Ce n'était pas forcément juste, en tout cas pour mon évolution personnelle. Mais le peu de défunts qui peuvent me suivre, qui peuvent rester, ce sont des défunts qui ont des liens spécifiques avec ce que je fais aujourd'hui, qui ont exercé maintenant dans la médiumnité, soit dans la guérison, soit dans d'autres choses, mais qui m'apportent leurs expériences, mais sans jamais, en tout cas, m'orienter ou autre. Il n'y a jamais, en tout cas, moi, je ne la vis pas comme ça, en tout cas, ma médiumnité personnelle. Après, peut-être d'autres la vivent différemment, je respecte, mais ce n'est pas comme ça que je la vis personnellement. D'accord. La voyance pure. Pure. C'est de la voyance impure aussi. Mais pure voyance pure. Bon, la voyance. Oui, oui. Pensez-vous que c'est une science exacte ou des fois on est dirigé pour aider les gens, donc des fois on est un peu faussé dans ce qu'on leur dit pour les aider? Est-ce que vous êtes d'accord avec... Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, je vais vous répondre et vous allez me dire si ça correspond à la réponse que vous attendiez. Mais moi, déjà, je pratique effectivement la voyance, mais j'ai une vision particulière de la voyance. C'est-à-dire que moi, en tout cas, quand les gens, je les rencontre, j'ai littéralement la vision d'une trame, comme une espèce d'une toile qui les entoure, qui les enveloppe, qui les englobe. Et cette toile, c'est vraiment comme des liens, comme des fils qui les relient à leur environnement où ils se trouvent, leurs relations, leurs personnes. Et c'est comme si je pouvais passer un scan dans cette toile et avoir des visions. Je traduis voilà, ce que je perçois sous forme de vision, sous forme de flash. Et ça me donne le champ des possibles qui les entoure. Donc, en général, la voyance, je ne vais jamais dire à quelqu'un « il va vous arriver ça, vous ne pouvez pas le changer ». Ou parce que vous avez vécu telle expérience, vous allez obligatoirement revivre les mêmes choses sans pouvoir changer les choses. Non, je vais toujours leur dire « voilà, je perçois que vous avez intérieurement tel potentiel, telle ressource, que vous pouvez appliquer de telle manière car vous allez avoir telle opportunité à tel moment que je vous conseille de saisir car elle vous amènera à ça ». Cependant, voilà, donc la voyance va plus les aider à pouvoir redéfinir dans l'instant leurs priorités, leur, on va dire, entre une stratégie de développement, mais je ne vais jamais l'employer comme, en tout cas, comme un outil de prédiction fataliste. Pour moi, ça n'apporte pas d'aide, sinon. Si on dit à quelqu'un, il va vous arriver ça, vous ne pouvez pas le changer, bah, à part sortir de la consultation en déprimant et aller chercher du Xanax à la pharmacie, il n'y a pas grand-chose à faire. À ce moment-là,
Notre rôle, il est d'éclairer, il n'est pas d'imposer un chemin, on va dire, fataliste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le guide ne donne jamais, d'ailleurs, de mon point de vue, de prédiction. Il va toujours donner des guidances, des sagesses, des messages. Après, ma faculté de voyance, elle, va m'apporter une lecture de toutes les opportunités à venir. Et en fonction de ce que je perçois, c'est un peu comme des portes, ce que je perçois derrière ces portes-là, la personne sera à même de mieux s'orienter, de mieux choisir, de prendre de meilleures décisions pour que son devenir s'accorde à ses aspirations profondes. Ça ne va jamais être de la prédiction fataliste. Je suis d'accord avec vous. On est synchro aujourd'hui, c'est cool. C'est des gens qui viennent nous consulter qu'il faudrait éduquer pour avoir une bonne consultation de voyance et non pas dire tu y vas, tu croises les bras, tu attends qu'ils disent ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est des gens et qui. Oui, font... tout à fait. Sinon, il y a un lourd passé sur la voyance, terrible, et les gens, c'est ça va. Vas-y, il est bon, non, on n'est ni bon ni mauvais. C'est une question d'éducation, il faudrait éduquer les gens. C'est ça, on a des perceptions, après les personnes, elles en font ce qu'elles veulent. De la même manière, j'insiste bien quand je dis à quelqu'un, je prends souvent l'exemple d'utiliser de la voyance, c'est par exemple sur le plan des études, on va pouvoir cibler les points qu'il faudra plus travailler pour que la personne ait son diplôme sur le plan sentimental. Si on est susceptible de percevoir des rencontres, si on voit qu'elle risque de pas durer, on est à même aussi de percevoir pourquoi ça ne va pas durer, quels points il faut les travailler, comment mieux communiquer pour que la relation perdure. Et professionnellement, c'est pareil. Moi, j'ai des pros qui m'appellent. Eux, ce qui les intéresse de savoir, justement, souvent, d'ailleurs, c'est intéressant dans la voyance d'entreprise, c'est qu'ils n'ont pas la même attitude de consommation, de consultation que les personnes qui interrogent leur domaine de vie. Eux, ils vont vraiment avoir des infos sur du très court terme. Ils vont vouloir savoir quels sont les points à favoriser. Ils sont vraiment dans une démarche, en tout cas, de stratégique, entre guillemets. Je me comprends quand je dis stratégie. Je pense qu'il faudrait avoir cette ouverture par rapport à la voyance et pas être dans l'attente simplement que les choses arrivent, mais aussi interroger le médium voyant pour mieux se connaître et savoir quelles sont les meilleures portes à ouvrir pour pouvoir s'aligner à son cœur, j'ai envie de dire. Voilà. C'est remettre de la noblesse à cette chose qu'on appelle. Parce que la j'essaye à ma manière. Mais on est un peu des thérapeutes hein, dans tout ça, pour certains. Thérapeute de l'âme, on dit. Il y en a qui disent thérapeute de l'âme. Ça ne me plaît pas trop, ça, comme terme. Mais bon, on est thérapeute. Moi, j'aime pas trop non plus, mais il y en a qui le disent. Bon, une question qui va fâcher certains de mes amis, à moi, que je connais, qui sont mon ami, donc on ne se fâchera pas. Que pensez-vous quand je. La réincarnation. Lecture d'âme. Je vous fais. Lecture d'âme, alors. Vous connaissez le truc ou pas? Oui. Alors, le terme, ça ne va pas me déranger, ça dépend comment ça va être véhiculé. C'est-à-dire qu'on peut dire que la voyance, ça peut être aussi une forme de lecture d'âme. Moi, j'ai souvent, comme je ne me suis pas souvent reconnu dans le monde de la voyance, tel qu'il était pratiqué, au début, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai cherché un petit peu à poser à d'autres termes. Et c'est là que j'ai été un peu repris par ma boussole intérieure qui m'a fait prendre conscience de non, tu mets le mot tel qu'il est aujourd'hui et c'est à toi de poser ta propre signature dans la pratique pour justement montrer que d'autres expressions sont possibles, d'autres manifestations de cette capacité sont possibles sans pour autant chercher un nouveau terme. Les métiers, les perceptions, elles évoluent. Il faut voilà, montrer que d'autres manières de transmettre sont possibles. Après, lecture d'âme, je ne sais pas trop ce que ça signifie exactement. Lire l'âme, parce que pour moi, et de ce qu'on m'a enseigné, l'âme n'a pas spécifiquement d'apparence. C'est une présence, c'est une conscience, mais elle est limitée par un espace, par une forme, ni par une temporalité. De ce fait, comment donner une forme à l'âme? On la voit comment on la visualise? J'ai du mal un peu à le... Alors, peut-être qu'ils perçoivent les auras. Je ne sais pas s'ils appellent par lecture d'âme, mais ce n'est pas quelque chose que je propose en tout cas. D'accord. Et l'âme, elle est... Voilà, je suis d'accord. OK. Parfait. Oui, c'est une présence. Je ne sais pas. Moi, on m'a toujours dit c'est la présence. En fait, il dit présence. Alors... J'aime bien vous trouver un défaut quand même. Bon, alors, on va passer à un autre sujet. Je voulais parler de la réincarnation. Et puis, en fin de compte, je ne vais pas le faire parce que chacun son avis là-dessus. Oui. Personne ne sait. Tout le monde y va de sa sauce. Tout à fait. Donc, on passe. On n'a pas suffisamment d'éléments en main pour pouvoir aborder ce sujet, je pense, encore à notre époque. Alors, sur mes vidéos, faut que vous sachiez, je coupe les commentaires. Voilà. Quand je le mets sur YouTube, je coupe les commentaires parce que les commentaires, des fois, sont très méchants, très désagréables. Ou alors, les commentaires vous posent des questions, il faudrait répondre et on passe toute vie à répondre. Donc, ouais, c'est, ça, c'est court. Et chacun pense ce qu'il veut. Voilà. C'est la fameuse police spirituelle. La police spirituelle, ils en savent plus que moi.
50 ans d'expérience, j'ai une expérience quand même. Il y a des gens qui viennent te dire que ce n'est pas vrai ou que ce n'est pas comme ça. Tout ça. Donc, tu as appelé spirituel, ben, on parlera pas de la réconciliation. Alors, la question, Dieu dans tout ça. Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Alors, Dieu au sens religieux du terme ? Non, Dieu. Ah, mais dans le sens que vous voulez. Mais dès qu'on dit Dieu, c'est fait religieux. Alors, c'est dans la source. Oui, de... souvent, c'est employé par les religions. Après, peu importe le mot. Moi, tout à l'heure, j'ai dit, vous mettez le mot. J'ai dit, voilà, les gens qui verront la vidéo, vous mettez le mot que vous voulez. Le principal, c'est de sentir le lien, le sentir avec cette source originelle. On ne peut pas. On ne peut pas toujours expliquer la chose. Personne ne peut définir la chose, mais on peut tous donner sa théorie, son point de vue, son ressenti à ce sujet. Personnellement, je ressens un lien. Je ressens un lien avec une source. Pour ça, je ne la mets pas à l'extérieur non plus de moi parce que j'ai plus l'impression qu'on émane de cette source. Tout émane. Que c'est comme une espèce d'expansion continue plutôt qu'une création extérieure à cette entité. Mais voilà, c'est comme ça que je la vis tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Après, je n'aurai pas d'avis sur les religions, etc. parce que je ne me classifie pas dans le milieu religieux. Et puis, je ne pense pas que le médium a son mot à dire sur les religions. Chacun fait comme il le sent. Et puis même, voilà, tout simplement. Alors on va arriver à la dernière question. Quand vous allez mourir et que vous allez arriver devant Dieu, paraît-il, vous allez lui dire quoi ? Alors, je vais lui dire quoi ? Alors, je vais pas prendre de joker, mais si je prends ma propre perception de la chose, je n'ai pas non plus forcément la croyance que je vais devoir m'exprimer à un dieu ou à quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne pense pas du tout. Je n'y pense pas du tout. Après, avoir des perceptions de l'au-delà ne fait pas. C'est pas pour ça que je me pose pas des questions quand même sur la vie après. Parce que, en tant que médium, je ne pense pas. Bon, je suis jeune, mais je ne pense pas. Vous me direz ce que vous en pensez. On voit tout ce qui se passe de l'autre côté. On ne peut pas donner d'image de l'autre côté. On a des messages, on nous relate ce qui se passe, mais on ne peut pas être à même de savoir tout ce qui se passe non plus. Et je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Non, j'allais dire, j'espère que je n'ai pas trop merdé, j'allais dire. Mais oui, généralement, c'est ce qu'on doit penser. Bien. Écoutez, je suis content. Je suis content parce que vous relevez un peu le niveau qui est quand même assez bas, intellectuellement c'est bas. Ça végète depuis des milliards d'années dans ce domaine. Et ben, je vais vous dire bienvenue dans notre milieu. Parce que vous commencez. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Merci Maxence, on fera certainement une suite parce que j'ai encore plein de questions que je voudrais approfondir, mais merci d'avoir accepté cet entretien. Merci pour votre accueil et pour cet échange, c'était un véritable plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.